Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le constater, c'est de la majorette 2018, les premiers modèles en version premium que je trouve en solo. Donc on va les présenter lors de cette vidéo. On va tous commencer par le Citroën C4 Cactus bleu. Donc j'ai bien bleu parce que il est sorti en version police il y a l'année précédente, ou il y a 2 ans. Il est sorti en version police, donc il est sorti en version jaune et il est sorti aussi cette année, donc dans 2 coloris cette année. Il est sorti en bleu, nouveau coloris, et il est sorti aussi en jaune comme ceci. Donc ça c'est la version Glow in the Dark qui sera présentée lors d'une prochaine vidéo. Voilà, alors on va faire un petit tour du véhicule. Alors franchement, top du top. Moi je suis vraiment satisfait. C'est mon deuxième Cactus, hein, on va dire, parce que le premier c'était Glow in the Dark. Et la couleur elle est très simple mais très jolie, et s'accompagne très bien du noir. Donc les deux couleurs vont super bien ensemble. Donc les petites protections latérales sont très bien représentées. Les roues, elles sont au top. Très bien choisies pour ce modèle. Donc, on peut le constater, il y a un ouvrant. Donc le coffre qui est ouvrant. On peut le fermer, hein, bien sûr. Il s'ouvre, il se ferme. Présence d'un petit aileron à l'arrière. Hein. Regardez, très joli. Enfin, donc ça, il y a de la suspension. Légère suspension par rapport à d'autres modèles qu'ils ont sortis, mais c'est franchement très réaliste, très joli. Alors on va regarder un petit peu l'avant. L'avant, il est très bien représenté. De côté, les petits rétroviseurs, les anti-brouillards à l'avant en bas, le logo, les surphares. Du côté de l'arrière, le logo Citroën. Il y a bien sûr marqué C4 Cactus derrière, c'est magnifique. Et le coffre qui s'ouvre. Et on voit même la petite présence d'une petite trappe. Regardez là. Trappe qui s'ouvre pas, mais c'est pour mettre la roue de secours ou une partie du sous-coffre. Voilà pour ce premier modèle. On va regarder en dessous. Voilà, en dessous, c'est majorette. Avec la référence 245C. Voilà, très joli. Alors, très jolie représentation, merci Majorette pour ce premier modèle. On va passer tout de suite au deuxième modèle. Comme j'ai dit, ça sera une vidéo relativement courte par rapport à d'autres. Parce que là, tout simplement, on va montrer que 2 modèles. Donc là, le booster, il est solo, donc il garde l'idée de mettre une petite carte avec. Et là, c'est donc la 308 GT. I. Et oui, parce qu'en fait elle existait en GT, mais pas en GTI, cette voiture. Donc là c'est aussi une nouveauté majorette pour cette année au catalogue, la version GTI. Alors on va voir ça un petit peu tout de suite. Donc là on voit aussi les emballages majorette, ils sont très soignés pour un prix franchement. Quand on voit la qualité de la miniature pour le prix qu'on paye, c'est vraiment très abordable, c'est très joli. C'est très bien et merci Majorette. Alors, la 308 GTI, qu'est-ce qu'on voit en premier? Eh bien, il y a le coffre qui s'ouvre, l'ouvrant, qui fait que Majorette, c'est un des seuls fabricants avec des ouvrants, c'est sympa, de cette échelle. Voilà, là aussi, il y a la présence de la petite trappe derrière, on le voit là à travers la lumière. Petite trappe, là, une petite poignée. C'est très sympa. Alors on va fermer le coffre et on va faire un petit tour du véhicule. Voilà, un petit tour du véhicule. Voilà, on regarde un petit peu la photo et qu'est-ce qu'on voit en premier? Moi, ce que je vois en premier, c'est déjà la démarcation de 2 couleurs. Noir et bordeaux. Magnifique. Et ces fabuleuses jantes qui lui vont à ravir. Franchement, c'est top. D'ailleurs, s'amuser à les faire tourner. Voilà, c'est magnifique. Ah ouais, quand ça roule, c'est encore plus joli, quoi. Voilà,
Alors, sur le côté, il y a marqué, on va zoomer encore un petit peu, voilà, voilà la voiture de plus près. Les jantes, elles sont top du top. Alors, il y a un petit retour avec marqué GT, ici. Pas GTI, mais GT. Du côté de l'avant, eh ben, très joli, très sobre, très Peugeot, hein, c'est... Donc on voit très bien le Lion Peugeot, Marco Lion hein, comme on dit. Elle se tient bien dans la main aussi, elle est très bien dans la main, une petite rayure là un petit peu. Bon. Présence de rétroviseur. L'arrière il est très joli aussi, hein. On voit bien le Lion. Hein. Le Lion, très 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 joli. Enfin, franchement, merci Majorette pour ces miniatures, pour ces nouveautés. Voilà, donc la vidéo va se terminer avec la présentation de ces deux modèles. Je vais les mettre côte à côte, comme ça on les verra mieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.